dit que des Marlboro souffle un peu le chaud et le froid. Il était très bon avec Tony lors de son avant-dernière sortie, c'était le 3 septembre. Il était presque inexistant récemment. Bah, il rendait Van Charmel, c'est pas en pire. Le problème de Schwager, c'est que lui, en phrase, il souffle le chaud et le froid. Il a fait l'été dans les glacières, il a fait un petit coup de soleil par un instrument de glace, voilà. Tu n'as pas l'impression. Et en fait, pour ma tête, quand tu rentres dans le chalet, après tu peux venir à l'extérieur. Parce que le chaud à zéro vitesse, c'est un chaud de train. Là, il va prendre un tour et puis pour faire le train pour les autres, pour le troisième wagon au kilomètre. On verra où ça l'amène, mais il manque de vitesse. Donc, si ça chute sur un bout, c'est compliqué. Et j'ai une course filmée, il peut pas l'arrêter. Est-ce qu'à l'entraînement, il paraît toujours aussi bien, en tout cas pas en baisse de forme? Il n'y a pas de souci. Il y a juste que l'envie, on voit de plus en plus avancer le poids, en termes de supérieur, en termes de mètres, c'est compliqué. Pour du joint, c'est compliqué. Donc, ici, à faire l'impression, selon vous, il peut aussi bien faire l'arrivée que. Quand il a pas de marge, c'est compliqué. Si on va en quinté, c'est pas une meilleure référence pour faire l'arrivée. Mais par contre, il n'est pas du tout potentiel. Voilà, à faire l'impression.